Avez-vous déjà vu un bientôt père tourner en rond dans la salle d'attente d'une maternité, allumant cigarette sur cigarette, le plus souvent par le mauvais bout Savez-vous à quel point il est inquiet Mais si vous appelez cela de l'inquiétude, vous devriez regarder notre très cher Oscar tourner en rond dans cette salle d'attente. Non seulement Oscar allume ses cigarettes à filtre par le mauvais bout, mais il les fume ainsi sans même se rendre compte du goût que cela peut avoir car il est vrai qu'Oscar a une bonne raison d'être inquiet. Tout avait commencé le jour de l'anniversaire de ses cinq ans de mariage. Alors qu'il sortait du restaurant en compagnie de son épouse, il se retrouva au coin de la rue, nez à nez avec un tigre. Son épouse était... Ah, pardon. Il y a un détail à expliquer pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Dans sa jeunesse, Oscar avait été passionné de magie, de vraie magie, pas d'illusionnisme. Malheureusement les charmes et les incantations étaient rebelles à sa voix, même ceux qui se montraient efficaces pour d'autres. Une seule incantation lui réussissait, celle qui permettait de changer un humain en animal de son choix. En formulant l'incantation à l'envers, il le ramenait à son état initial. Un homme méchant ou rancunier aurait tiré profit de ce don. Mais Oscar n'était ni méchant ni rancunier. Et après quelques expériences sur des sujets qui s'étaient portés volontaires par curiosité, n'y avait jamais eu recours. Il y avait cinq ans, à l'âge de vingt-sept ans, Oscar était tombé amoureux et s'était marié. C'est alors qu'il avait pour la dernière fois fait usage de ce don, et cela uniquement pour satisfaire la curiosité de son épouse. Il lui avait parlé de ses pouvoirs. Elle ne l'avait pas cru. et l'avait mis au défi de s'exécuter. Il l'avait métamorphosé quelques instants en chasse à moi. Terrifiée, elle lui avait fait alors jurer de ne plus jamais laisser libre cours à son talent surnaturel, et il avait tenu parole, à une seule exception le soir de l'anniversaire de leurs cinq ans de mariage. Après avoir quitté le restaurant au coin de la rue, ils se retrouvèrent nez à nez avec un tigre qui s'était échappé du cirque. Pris de panique, Oscar se réfugia dans une cabine téléphonique sans même se soucier de son épouse. Il la laissa là, au milieu du trottoir, à la merci du fauve. Oscar était là, se tordant les mains d'angoisse, témoin malgré lui de ce que subissait son épouse. L'unique façon de sauver la vie de sa femme lui jaillit à l'esprit, et Oscar fit le nécessaire. Un tigre ne tue pas une tigresse. Quelques instants plus tard, l'animal s'en alla, ses désirs assouvis. Oscar prononça l'incantation à l'envers et rendit à sa femme son apparence humaine. Il quitta la cabine téléphonique et se précipita vers elle il la serra dans ses bras et l'embrassa comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Blême et tout tremblant, ils étaient rentrés chez eux en taxi. Ils s'étaient alors promis de ne plus jamais faire allusion à cette mésaventure. Ils étaient donc mariés depuis cinq ans et avaient toujours souhaité avoir des enfants, mais n'en avaient jamais eu. Aujourd'hui, plusieurs mois après l'abominable soirée anniversaire, elle accouchait. Comprenez-vous maintenant l'inquiétude de ce bientôt père qui tourne en rond dans la salle d'attente de la maternité comme un tigre en cage